Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité. 24h sur 24 sur alterpress.org. Politique, économie, société, culture, sport, l'information d'Haïti, l'information de proximité avec une attention soutenue pour les mouvements sociaux. Alter Press, le réseau alternatif haïtien des formations du groupe Medi Alternatif. Visitez-nous à Delma 51 numéro 6. Appelez-nous au 28 13 10 09. Écrivez-nous à alterpress@medialternatif.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpress et suivez-nous sur twitter.com/alterpress. Alter Press, beaucoup plus que l'actualité, 24h sur 24 sur www.alterpress.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Merci d'écouter Alter Radio 106.1 et alterradio.org. Le plus pauvre en Haïti, amis sportifs tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Alter Sport, c'est Journal Sport nous, qui passe à 6h30, 10h30 dans le soir, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Grand titre dans la qualité sportive là sous plan national, football, première rencontre entre commission normalisation fédération hein, à club première division yo, mais tout à commission nationale arbitre journée jeudi 11 mars là. C'est retour championnat national première division qui était doué démarrer week-end ça reporté pour 27 mars. Ancien défenseur international haïtien Jean-Jacques Pierre confirmé comme nouveau sélectionneur national, il a assisté de Jean-Claude Josaphat. A l'étranger, tennis, tournoi de Doha, élimination de Roger Federer et de Dominic Thiem. Basketball NBA, Lamarcus Aldridge et San Antonio séparés d'un commun accord. Football, Paris Saint-Germain a pensé à nouveau à Cristiano Ronaldo. Et puis le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, futur président de la Confédération africaine de football. Et au Palais, la 8e de finale aller pour Nade de Santé, pour l'Ajax, Villarreal. Bonne affaire pou Milan AC ki fè match 1-1 ak Manchester United nan Old Trafford nan. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswè, li pase tou a 10h30 aswè, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développant actualité sportive flan sous plan national d'abord, ancien défenseur central et capitaine sélection nationale football lan, Jean-Jacques Pierre, 40 ans, prend officiellement Rennes Grenadier. Information qui confirmait journée jeudi à par maître Jacques Létang, président commission normalisation fédération lors d'un point de presse dans l'hôtel Mariotte. Ancien joueur SC Nantes, il a assisté de Jean-Claude Josaphat, actuel entraîneur AS Montpellier, qui était tout assistant entraîneur ex-sélectionneur national, Marc Kola. Entre temps, c'est retour au championnat national première division qui était doué démarrer week-end ça reporté à 27 mars au Cabina. Décision qui prend de commun accord entre commission normalisation fédération et assemblée
klub yo. Yo ekstra nan intervensyon prezident komisyon normalizasyon federasyon, Mètre Jacques Létan. Yen di lecheyans ki apten nou tre rapidman pou la seleksyon senyor e osi pou la seleksyon I-23. Pou seleksyon senyor, nou konen ke yon nan prosesus deliminatwa Koupe du Monde ki pral fèd ou Qatar an 2022. E la, tre pochèdman, nou gen pou nou resevwa an Haiti Belize ki va jwe avèk nou. Dan un second tan, nou gen pou nou jwe kont la 7 Lucie osi. De matcha yo prevu respektiveman le 25 et le 28 mars de set anè. Sa fè kek tan, bil moun a pose de kèsyon, y a de spekulasyon ki artikule sou le chwa de seleksyonèr ou di seleksyonèr. En tout cas, c'est l'occasion pour le comité de normalisation de partager avec l'opinion publique haïtienne, voire internationale, que en raison même de l'échéance au privé sous nous, en raison même des difficultés de plusieurs ordres que le comité de normalisation nous mène, et donc nous faisons un choix réaliste qui permette que nous jetions des volumes sur un staff technique national pour la sélection senior, donc moun ki binom kap dirije la, se Pierre Jean-Jacques. Se Pierre Jean-Jacques, son ansyen joueur ou ansyen kapitaine de la seleksyon, e ki ap an binom avek Josapha, ki te entrener adjouen de Makola, kat Makola avek le ren de la seleksyon e senior. E pou se ki konten la seleksyon U23, donc c'est encore un choix national, c'est le seleksyoner habituel, c'est M. Itala qui va assurer coaching de l'équipe SA qui va en compétition au Mexique d'ici la semaine prochaine, en compétition qui compétition géolympique de Tokyo, qui a commencé du 16 mars au 30 mars. Donc c'était important pour nous partager avec Presse Sportive la information SAO. Et puis pour nous rappeler, nous profiter tout pour nous rappeler que et mission comité de normalisation, il est là pour le renforcer, pour normaliser, pour diagnostiquer. D'abord, avant qu'il normalise, il faut que nous diagnostiquer. Et là, on en est vraiment à cette phase, la phase de diagnostic de la situation, à la fois sur le plan sportif et sur le plan administratif. Mètre Jacques Létan, c'est président commission normalisation Fédération Haïtienne Football. Bon côté parlé, Madame Monique André, qui c'est membre commission normalisation, t'es parlé de rencontre avec commission arbitre. Il était tout confirmé, report, c'est retour championnat national, la première division, au 27 mars. Ce matin, nous t'es fait une série de rencontres dans table réouverture au championnat. Nous rencontrer avec commission nationale des arbitres en partie parce que les supposés restructurer tout puisque le président sanctionné pour 90 jours et nous avons une commission ça supposé actif pour ouverture championnat. Dans le cadre de restructuration, nous avons rencontré avec différents membres et nous avons présenté un rapport, un diagnostic sur toute commission ça. Pour nous capables, avant début compétition, annoncer nouvelle structure Commission nationale des arbitres. Là. En même temps, nous rencontrer après avec les clubs de première division et nous débattre tout problème qui existait pour nous, pour jouer football là. Fédération prend conscience de tout problème yo, et dans ça que nous arrivons. Conclu avec yo, yo gon cahier de charge que yo supposé présenter nous pour faire nous part de tout problème yo et ensemble, main dans la main, pour nous rebâtir, pour nous voir qui gens n'a fait football là, jouer. Et ensuite, nous obliger à reporter championnat avec accord yo tout, puisque il y a les problèmes qui doivent être posés. Championnat reporté à la date du 27 mars. Madame Monique André, c'est membre commission normalisation Fédération Haïtienne Football là. Maître Yvon Sever, qui c'est tout membre en commission, t'es parlé de disposition qui prend pour centre FIFA Gol là. Nous connaît qui était à l'origine des derniers scandales. Nous connaît que dans le football là, nous pas qu'à jouer
san striktu sa ki ap forme de jen jwè ki pou pousse foutbol la anver l'avan. Mwen vle pale nou de Kanouan, nou konen tou te gen yon ansanm de problem ki te pose nan Kanouan, ki te oblige FIFA fè yon intervensyon, gen de sanksyon ki te pose. Donk, a pati de sanksyon sa yo, gen de moun ki pale anko, men de konser avèk FIFA e komite normalizasyon avèk Fédération Haïtienne, nou genyen yon ONG internasyonal ki se tè de zon Haïti, ap bay yon koutmen, jigile problem ke jen jwè yo e jwè yo ap konfonte an dan sant la. Donk, tè de zon Haïti, nan kad yon protokol, nan kad yon mega proje ke nou mette yon plas, li gen pou misyon pou li bay yon apuy psikosocial ou jen di sant, di kan nou. Nou, premièman, nou vleman de akor tout moun, tout moun pou kolabori avè nou, paske se yon point ki vreman important, e populasyon an ta tan des eksplikasyon sou sa, e depi le nou depi le nou vini, nan travay de manye tre e dieu sou kestyon sa pou nou rezoud ou ansanm de problem, eseye wè ki tip de solisyon ke nou kapab pote, paske suto nou konen importans kan nou an, e ki sa reprezenté an tem d'imaj, e an tem problem pou nou sa ki te pase yo. Sete prezisyon, mètre Yvon Sever, mamb komisyon normalizasyon Fédération Haïtienne Football la. Bon, kote pale, Carlo Maslin, ki se sekretèr général Fédération, te pale de disposisyon kapran pou depa seleksyon olympikal le 16 mars ak seleksyon senior la, ki gen pou recevoi Belize le 25 mars le prochain a Stade Tivo 14, nan kal eliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. Nou gen yon delegasyon de 27 moun kap pati disi la semaine prochaine, ou plus tard le 16 mars, kon se kompetisyon ap komanse le 19, pou nou men, ou di an komanse le 18, men nou men ap komanse le 19. E nan delegasyon sa, nou gen 20 jouèr ki kompose li, plus 7 staff, gen 7 jouèr de l'extérieur, et 13 jouèr nasyonal. E parmi les jouèr nasyonal, nou avan egalman 7, et la dayon ki gen de difficulté du voyage, ki nan prezout aktuellement avec l'ambassade du Mexique. Et là, nous profiter à travers le point de presse là, pour demander si bon concours, le capoté nous pour question avancement du CEO, il va très bien, parce que nous sommes pratiquement à quelques jours de notre voyage. Pour l'équipe nationale senior, nous avons match ici le 25, comme d'habitude, on a demandé appui tout le monde pour venir supporter l'équipe nationale là, même si il y a des restrictions sanitaires qui fait que nous n'avons pas qu'à recevoir un stade rempli. En attendant que nous chita avec le gouvernement sous question 1. Maintenant, dis-nous que Matsa a fait le 25 mars à 5h de l'après-midi. Et Matsa, tout à l'heure, président de l'Église, est entré dans le cadre d'une série de matchs que nous avons joué dans la campagne Coupe du Monde et Qatar 2022. Délégation a supposé arriver, ma part le joueur normalement avec quelques membres de Safla le 21 en Haïti. Mais entraîneur Jean-Jacques, qui dit même avec Yunel Oissi qui a privé ici d'ici le 15, mais avec Josapha pour nous commencer le travail sur arriver joueur. Et côté à Pascrené, côté à PDRG, là, c'est information pour l'équipe nationale senior là. Pour le championnat, mon mot déjà parlé de ça, mais maintenant, nous attendons le support de l'État et du gouvernement. La commission est déjà allée, auprès du Premier ministre, on va profiter, demander si le cas font une intervention rapide pour nous, parce que la FIFA fait une grande partie question, hein, en ce qui a trait au voyage et au hébergement, mais sous question accompagnement de joueurs, donc on est, ça est très important, c'est des professionnels, même si je n'ai pas demandé en pile, mais le minimum que vous demandez, c'est très important pour nos fédérations et l'État, et garder qui sont capables de venir à besoin. Alors, dans ce sens, je fais un appel à président PIA, à Premier ministre, et garder qui sont capables de intervention pour nous rapide, pour permettre que le match soit dans de bonnes conditions, un certificateur, et puis permettre que les joueurs toujours généralement rémunération comme ça. Alors, je profite également. Invitez tout public sportif là, tout le monde, tout haïtien en général, qui ont façon de capoter concours pour match à réaliser dans ce stade là. En nous ici, ils font seul avec sélection pour le 25, vraiment, nous soutenons dans ce stade là avec une victoire qui va souligner donc pas pour nous dans route qualification pour les 14 2022. C'était précision, Carlo Maslin, secrétaire général Fédération Haïtienne Football. Là. Alter Sport. Aktualite sport nasyonal ak internasyonal sou Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Lòt pwen l'aktualite sportif la sou plan nasyonal, Koupe Canes Velima, kompetisyon de jeun organize lan depatman la Tibonit lan pa les entreprises Selize. Jounen vendredi 12 mars la, genyen JSL de Trivel la Tibonit kap jwe
avec formation Verret là. Et puis Gonaïve a rencontré Saint-Marc, classement dans groupe A. Gen Saint-Marc qui est en tête avec 9 points, deuxième Lester 7 points, troisième Gonaïve 4 points avec 1 point Verret et puis JSL. Dans groupe B, a toujours jouer vendredi 12 mars là, et Poisson des Capes sur Gomon et puis Vigor de Trivel à Tibonite a joué avec Marchand des Salines. Classement dominé par Marchand 6 points, Vigor 6 points, Poisson des 6 points. En 4e position Gomon 3 points, 5e Liancourt avec 3 points. Un petit pause, là nous retournons nous aller à l'étranger. Mes amis, maladi nouvo koronaviris la ap kontinye simaye tout patou nan mod lan. Ministè Santé Piblik mande tout moun rete veatif. Epi, suiv tout prinsip li jen yo pou nou proteje tèt nou, fami nou ak zanmi nou. Evite mayen bouch nou, jen ou swa nen nou, san men nou pou ko lave. Nou dwe toujou lave men nou ak dlo pwop ak savon. Me koman pou nou lave men nou? Lave men nou ak dlo pwop ak savon an bat. Tio, ou swa, mande moun vide dlo sou menou. Bien mouye menou an fan nou savone. Fote zon, point dwet, plame ak do menou. Bien rese menou, epi souke menou pou yo seche. An nou yon veye sou lot, an nou yon proteje lot. Pou plis informasyon, rele nan 43-43-33-33 ou 76. Sete yon mesaj, Ministè Santé Publik ak Populasyon. Allô, c'est service marketing Alter Radio, s'il vous plaît. Bienvenue, c'est Liwi, qui je nous cap aider ou. Moi c'est propriétaire en Drahi. M'ta aimé plus moun kon businessman. M'ta aimé joindre plus clients et puis vivre faire grandir. Félicitations. Ou bien tombé, service marketing Alter Radio gagne un plan spécial publicité pour toute qualité de business, tant que quincaillerie, matériaux construction, dry cleaning, tant que pa ou là, boutique, pharmacie, autopats, restaurant ou mini market, dépôt, ti hôtel, studio de beauté et latrier. Ah, et bien m'a privé sous nous tout de suite. Mais excusez-moi, mon zanmim ki gon kawash, est-ce que n'ap jwenn yon ti bagay tou? Service marketing Alter Radio gen fòmil pou tout business. Pa bè di tan, n'ap tan nou. Service marketing Alter Radio ap tan de ou, n'ap an tan nou, n'ap ba ou konsey, epi piblisite ou garanti. An di plis, n'ap tou jere bel ou sou rezo sosyal nou yo. Parle mwa di sa Alter Radio, se sam de bezwen. Profitez plan spécial publicité pour toute qualité de business dans Alter Radio sorti février pour bout avril 2021. Pas perdre de temps. Relais service marketing Alter Radio dans 2816 0101 ou bien passez dans Delma 51 numéro 6. Ak Alter Radio, publicité garantie. En parcourant votre fil d'actualité, vous lisez un message ou un commentaire sur le coronavirus. Pensez à ce que cela vous fait ressentir. Cela vous met-il en colère? Êtes-vous triste ou choqué? La désinformation peut se propager par l'utilisation de contenus axés sur les émotions. Avant de partager ou de réagir à un contenu, pensez à sa provenance. Qui pourrait en bénéficier et qui pourrait en souffrir? Réfléchissez avant de cliquer, réfléchissez avant de partager. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO. Nan denye jou sa yo, profesyonel sante yo enregistre nan peyi d'Haïti an pil ka gratel oswa gal la. Gal se yon maladi moun gen sou po. Ou ka trapel, fasil fasil. Ou ka pren nan kontak ak yon lot moun ki genyel, oswa nan tout sa wap itilize ki kontamine. Rad, dra, zoye, serviet, mouchwa, elatriye. Depi ou gen gal, wap santi kou ap grate ou. Li ka ba ou yon ban ti bouton ak gro plak sou po. Depi ou remake ou konsa, se kouri prese prese ale nan sante sante ki pi pre ou la. Dokte ou swa efimye ap pran swen ou. Sonje pou evite gal, pa kole ak moun kap grate san rete. Toujou beyin ak savon ak dlo prop. Bouye ou bien desinfekte tout bagay wap sevi. Rad, dra, zorye, serviette, mouchwa, elatriye. Louvri fenèt ak pòt kayou pou sole rentre. Se yon mesaj, Institut Panos. Nou men magistra, juj ak komisè gouvernement, ansanm avèk personèl nan la justis nan peyi d'Haïti, nou deside kombat propagasyon nouvo koronavirus la. Se pwetèt sa nou deside respekte konsey otorite sanitèr yo. Avèk COVID-19 lan,
c'est existence nous toutes qui menacée sur planète Terre. Nous toutes à la ronde badée, juges, commissaires gouvernement, greffiers, huissiers, avocats, toutes professionnels du droit et toutes l'autre professionnel en dans société ya, tout citoyen nous doit avoir un comportement qui est responsable. C'est comme ça n'a privé combattre propagation Covid-19 là. C'était un message de association professionnelle des magistrats. Corona, Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive la Boukounia sur plan international et au palais, gagne 8e de finale aller. Match qui joue jeudi 11 mars. Gagne Manchester United qui fait match en goal par 3 avec Milassé. Villarreal bat Dynamo Kiev 2-0. Ajax bat Young Boys 3-0. 1-1 entre Slava Prague et Rangers. Victoire de Arsenal en déplacement 3-1 sur Olympiakos. Gagne Granada qui bat Molde 2-0. Même score entre Tottenham et Dynamo Zagreb. Victoire de Tottenham. Puis belle victoire de la Roma 3-0 au dépens de Shakhtar Donetsk. Rubrique championnat européen en Espagne, c'est donc 27e journée. Ça a démarré le vendredi 12 mars à 3h Levante Valence. Samedi 13 mars à 8h le matin à la Vescadis. C'est 10h15 Real Madrid a recevoir Elche. Midi et demi samedi toujours Osasuna a recevoir Valladolid. 3h Getafe contre Atlético Madrid. Dimanche 14 mars à 9h le matin Celta Vigo a accueilli Atlético Bilbao. 11h15 gain Real Sociedad cap déplacé pour rencontrer Granada. À 1h30 dimanche, Eba contre Villarreal. 4h, Séville a recevoir Real Betis. Et puis lundi, à 4h, c'est Barcelone a accueilli Huesca. Classement AC Madrid 62 points. Deuxième FC Barcelone 56 points. Troisième Real Madrid 54 points. Quatrième Séville 48 points. Cinquième Real Sociedad avec 45 points. En Angleterre, 28e journée a démarré vendredi 12 mars. À 3h, Newcastle a recevoir Aston Villa. Samedi 13 mars, 7h30 le matin, Chelsea a déplacé pour rencontrer Leeds United. À 10h, Crystal Palace a recevoir West Bromwich. À midi et demi, samedi, Everton a joué avec Burnley. Et puis à 3h, Fulham contre Manchester City. Dimanche, 8h le matin, Southampton contre Brighton. À 10h, Leicester City a recevoir Sheffield United. À midi et demi, dimanche, Arsenal contre Tottenham, tête d'affiche. Et puis à 3h15, Manchester United contre West Ham. Lundi et 15 mars, à 4h, Wolverhampton a joué avec équipe de Liverpool. Là, Manchester City premier avec 68 points. Deuxième, Manchester United 54 points. Troisième, Leicester City 53 points. Quatrième, Chelsea 50 points. En cinquième, West Ham 48 points. Sixième, Everton 46 points. Tottenham 45 points. Huitième, Liverpool avec 43 points. En Italie, c'est le 27e journée, jeudi 12 mars, à 9h le matin, Lazio Cotone à 2h45, Atalanta joue avec Spezia. Samedi 13 mars, 9h, Sassuolo contre Vérone. À midi, Benevento contre Fiorentina. À 2h45, gain Udinese cap déplacé pour rencontrer Genoa. Dimanche 14 mars, 7h30 le matin, Bologna joue avec Sampdoria. À 10h, gain Torino contre Inter Milan. En même temps, Parme contre équipe Roma. À 1h, Cagliari contre la Juventus. Et puis à 3h45, dimanche, bel match entre Milan AC et Napoli. Classement Inter Milan 62 points. Deuxième Milan AC 56 points. Troisième Juventus 52 points. Quatrième Roma 50 points. Cinquième Atalanta 49 points. Sixième Napoli avec 47 points. En France, Sibral donc 29e journée. Venez vendredi 12 mars là. À 3h, Reims contre Lyon. Samedi 13 mars, 7h le matin, Angers contre Saint-Etienne. 11h, Marseille contre Brest. Dimanche 14 mars, 8h le matin, Nîmes contre Montpellier. À 10h, Lorient contre Nice. Lens Metz. Guyen Bordeaux cap déplacé pour rencontrer Dijon. Rennes a recevoir Strasbourg toujours dimanche, mais à midi 5, Monaco a joué avec Lille. Et puis à 4h, bel match entre Paris Saint-Germain et Nantes. Classement dominé par Lille 62 points. Deuxième Paris Saint-Germain 60 points. Troisième Lyon 59 points. Quatrième Monaco 55 points. Cinquième Lens 44 points. Sixième Marseille avec 42 points. En Allemagne, c'est bien donc 25e journée. Venez vendredi 12 mars là. À 2h30 l'après-midi, Augsbourg a recevoir Mönchengladbach. Samedi 13 mars, 9h30 le matin, il y a plusieurs matchs. Gagné Schalke 04, cap déplacé pour rencontrer Wolfsburg. Werder Bremen a recevoir Bayern Munich. Union Berlin a joué avec FC Cologne. Mayence a joué avec Fribourg. À midi et demi samedi, Dortmund contre Hertha Berlin. Dimanche matin, 8h30, Leverkusen contre Arminia Bielefeld. 18h30 le matin, RB Leipzig contre Eintracht Frankfurt. Et puis à 1h, Stuttgart contre Hoffenheim. Bayern Munich premier, 55 points. Deuxième, RB Leipzig, 53 points. Troisième, Wolfsburg, 45 points. Quatrième, Eintracht Frankfurt, 43 points. Cinquième, Leverkusen, 40 points. Sixième, Dortmund avec 39 points.
Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dernier ligne droite, Journal d'Espoir, Zami Auditel en tennis, en tournoi de Doha, gagné Roger Federer qui éliminé le quart de finale, c'est Georgien, Nicolas Bastilashvili en 3, 6, 6, 1, 7, 5. Élimination également des têtes de série numéro 5, l'Autrichien Dominic Thiem qui incliné en 3-7, 7-6, 2-6, 6-4 face à l'Espagnol Roberto Bautista Agut. Et puis tennis, toujours gagné Marie Osaka qui s'est sœur aînée numéro 2 mondial. Là, Naomi Osaka qui a annoncé jeudi qu'elle prend retraite à l'âge de 24 ans. Japonaise, elle était classée 340e mondial et meilleur classement ligne. C'était donc en 2018, 280e mondial. Basketball NBA pour nous finir. Match Cap gagné vendredi 12 mars là, à 8h du soir à Philadelphie, Washington. Denver, Memphis, Cleveland Cap joue avec New Orleans. À 9h, Miami, Chicago. Orlando, San Antonio. 10h, Houston, Utah. À 10h30, Indiana face à Los Angeles, Lakers. N'a pas appliqué que la classement Philadelphie toujours dominé. Conférence est là avec 24 victoires, 12 défaites. Deuxième Brooklyn, 24 victoires, 13 défaites. Troisième Milwaukee, 22 victoires, 14 défaites. Quatrième Boston, 19 victoires, 17 défaites. Tandis que la conférence Westland, premier Utah, 27 victoires, 9 défaites. Deuxième Phoenix, 24 victoires, 11 défaites. Troisième Los Angeles Lakers, 24 victoires, 13 défaites. Quatrième Los Angeles Clippers, 24 victoires, 14 défaites. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti a 6h30 nan aswe, li pase tou a 10h30 aswe, a minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, epi midi et demi. Alter Sport, tout nouvel, sou tout sport, sou Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous aller, grand titre qui te domine l'actualité sportive là sous plan national, football, premier rencontre entre commission normalisation fédération à club première division yo, mais toi commission nationale arbitre journée jeudi 11 mars là. C'est retour championnat national première division qui te devait démarrer week-end ça reporté pour 27 mars. Ancien défenseur international haïtien Jean-Jacques Pierre confirmé comme nouveau sélectionneur national. Il a assisté de Jean-Claude Josaphat. A l'étranger tennis, sans tournoi de Doha, élimination de Roger Federer et de Dominic Thiem la quart de finale. Basketball NBA, Lamarcus Aldridge à San Antonio, séparé d'un commun accord. Football Paris Saint-Germain a pensé à nouveau à Cristiano Ronaldo. Et puis, milliardaire sud-africain Patrice Motsepe, futur président de la Confédération africaine de football. Et vous parlez, 8e de finale aller, promenade de santé pour Ajax, Villarreal, Arsenal avec Tottenham. Bonne affaire pour Milan AC qui fait match 1-1 avec Manchester United à Old Trafford. Voilà donc, madame, monsieur, pour essentiel actualité sportive là sur le plan national et international. Merci en pile pour fidélité. Merci à collaborateur nous, James Toussaint, qui était dans la réalisation. En micro, c'était Smith Griffon. Bonne suite de programme sur Alter Radio 106.1 à alterradio.org. Édition Journal ça, on a bien mis un podcast Alter Radio sur Mixcloud et sur Zeno Radio. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio. Se pa aswal tou chifone Kote fatra la le chèz bal Mwen kon la ri nan li vijen La ri gen salon kote pou pep chita kouze La ri gen irin wan Kote pou fambe se leve Mwen kon la ri Mwen kon la ri Mwen kon la ri nan sinema Figi la ri pa blem Kote fatra la le chèz bal Mwen kon la ri nan li vijen La ri gen salon kote pou pep chita kouze La ri
fait. Iné. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur mixcloud.com/alterradio et zeno.fm/alterradio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Mes amis, mes amis, parlez-nous. Mes amis, parlez-nous. Chita tande, sans rete, tout an, ant organizasyon sosyete sivil ak otorite lokal yo, important an pil. Se yon nan pi bon fason pou bay demokrasi jaret, epi mete kampe yon sosyete egal ego kote tout moun ap viv pi bien. Sete yon mesaj, otorite lokal ak organizasyon sosyete sivil nan depatman Latibonit ak supo proje toujou pi fo ansam, yon proje ki jwen bourad l'ajan Union Européenne. Mesaj sa, pa angaje Union Européenne. Vitane parol sa, oui, oui. Des informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. Les États-Unis ont annoncé mercredi des sanctions contre deux enfants du chef de la junte militaire birmane qui a renversé le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi et contre six sociétés qu'il contrôle. Aung Pyae Son et Kin Thiri Tetmon sont le fils et la fille du commandant en chef des forces militaires birmanes. Le général Min Aung Hlaing, déjà placé sous le régime des sanctions pour sa responsabilité dans le coup d'État, a indiqué le ministère américain du Trésor dans un communiqué. Aung Pyae Son et Kin Thiri Tetmon contrôlent plusieurs entreprises qui ont directement profité de la position de leur père et de son influence néfaste, a expliqué le ministère. Le communiqué précise notamment que Aung Pyae Son a remporté en 2013 un contrat de bail de 30 ans pour un restaurant et une galerie sans avoir de concurrent et que jusqu'en 2018, ses loyers se montaient à seulement 1% du marché locatif dans la même zone. Kin Thiri Tet, pour sa part, dirige la maison de production Seven Sense, un contrat exclusif avec un acteur qui apparaît dans des publicités pour Mitel, l'opérateur téléphonique créé par le général Min Aung Hlaing. Les sanctions impliquent le gel de leurs éventuels avoirs aux États-Unis et l'interdiction de l'accès au système financier américain. Les dirigeants du coup d'État et les membres adultes de leur famille ne devraient pas être en capacité de continuer à tirer profit du régime, tandis qu'ils usent de violence et resserrent son emprise sur la démocratie, a affirmé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans un communiqué séparé. Les États-Unis condamnent les attaques horribles des forces de sécurité contre le mouvement de contestation en Birmanie, qui ont fait au moins 53 morts et l'arrestation et la détention de plus de 1700 responsables politiques, médecins, défenseurs des droits humains, journalistes, dirigeants de syndicats et personnes exerçant leurs droits, a-t-il ajouté. Le président sénégalais Macky Sall a décrété hier, mercredi, un deuil national ce jeudi à la mémoire des défunts après les manifestations qui ont fait au moins 5 morts, a annoncé un communiqué du gouvernement. Lors du deuil national de jeudi, les drapeaux seront en berne en ce jour de communion, de recueillement et de prière.